De la télévision à la ferme, il n'y a qu'un pas. De 2011 à 2017, Fanny Agostini était connue comme la Miss Météo de BFM TV avant de rejoindre France 3 où elle a animé l'émission Thalassa, succédant ainsi à Georges Pernoud, mort lundi 11 janvier à 73 ans. Passionnée d'environnement et d'écologie, la journaliste a toutefois il y a 2 ans décidé de tout quitter pour s'installer en Auvergne, où elle a créé une ferme pédagogique. Un pari fou pour l'animatrice de 32 ans qui est devenue maman pour la première fois en juin dernier. Être un relais médiatique était essentiel, mais j'avais envie d'être sur le terrain, souffle ainsi Fanny Agostini dans les colonnes de Téléstar, en kiosque lundi 11 janvier. Après 7 temps de météo sur BFM TV et quelques années de présentation de Thalassa, Fanny Agostini a donc démissionné, et quitté Paris sans penser revenir dans les médias, assure-t-elle. Toutefois, si est-il alors qu'elle lançait sa ferme pédagogique que la journaliste s'est vue proposer par Europe 1 une chronique sur l'écologie et l'agriculture dans la matinale de Mathieu Béliard, qu'elle fait en direct de sa ferme. Un lieu inspirant également pour TF1, qui a ainsi confié à Fanny Agostini l'émission En Terre Ferme, diffusée un samedi par mois, également diffusée sur Ushuaïa Télévision. Des invités exceptionnels dans En Terre Ferme, un nouveau projet bien pensé pour la journaliste, qui se trouve désormais au cœur de la ruralité, avec toutefois des invités triés sur le volet. Avant Nicolas Hulot le 16 janvier prochain, Fanny Agostini a accueilli dans En Terre Ferme le prince Albert II de Monaco. En discutant avec lui, j'ai été impressionné par sa maîtrise des sujets, aussi bien sur les océans, la fonte des glaces, la perte de la biodiversité ou encore l'avenir des forêts, a-t-elle ainsi confié à propos de son invité.